à l'Olympia? Ah oui. Parlez. Ah oui. Ah oui, oui. Je suis désolé, hein, mais on a dit ça. Tu étais sûr? Ah, certain. Hein. Certain. Merci, Miguel. Bon. Et excusez-moi tous les copains que j'ai fait venir parce que j'allais jouer à l'Olympia. Apparemment, il faut que je parle. Bon. Alors du coup, comme vous savez, je viens souvent à l'Olympia parce que nous, les étrangers, on doit faire les boulots que les Français ne veulent pas faire. Alors donc, bon, voilà, je m'égole. Alors, comme je suis le dernier, je peux me permettre d'être méchant. Vous savez, c'est pas du tout l'esprit TEDx et Tex-Mex, encore moins. Par exemple, on pourrait dire à la traître belge Arasad que les Roms et les mecs qui sont dans des camps, vous savez, des métèques, non ? Les sites fermés, là, les sans-papiers, ils sont cons, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. On peut circuler librement. Il n'y a que Valls, le ministre RPR, qui n'est pas au courant. Bon. C'est juste, j'étais surpris. Bien. Alors, effectivement, notre époque est une mélange paradoxale entre optimisme, une sorte de puissance incroyable. Vous saurez à la fin, apparemment, il y a une tombola, il y a 10 ou 15 qui vous n'allez pas mourir. Et à cet optimisme comme ça, dans lequel des organes se régénèrent. Eh bien, la vérité, c'est qu'à cet optimisme-là, il lui correspond un quotidien d'un pessimisme partout. C'est-à-dire, c'est une époque paradoxale. On n'arrête pas de nous faire des promesses individuelles, technologiques, etc. Et la vérité, c'est qu'on se sent de plus en plus mal. Alors, peut-être c'est parce qu'on est un peu bête, peut-être pas. La vérité, c'est qu'à la grande promesse pour tous, lui a succédé une toute petite promesse minable pour chacun de nous, si on est gentil et si on est métèque avec des papiers, excusez-moi. Parce que pour les... Bon, enfin. Alors, vers la petite promesse individuelle, allez, on ne chante plus l'international, on chante juste quelqu'un de bien, vous vous rappelez? Eh bien, donc, la promesse individuelle, c'est... Monsieur Plus, vous pouvez augmenter votre vie, vous pouvez avoir des modules supplémentaires, être encore plus intelligent, tout est possible. Voilà les slogans, voilà l'idée, tout est possible. Et ça va de soi qu'on veut toujours plus de modules, toujours plus d'argent, ça va de soi. Quelqu'un qui ne veut pas toujours plus, bah, il finit en psychiatrie, parce que ce n'est pas normal, il faut qu'il veuille toujours plus. Alors, vous savez, les Jeux olympiques normaux, ils n'intéresseront bientôt plus personne. En revanche, les paralympiques vont devenir comme les salons de l'auto, vont devenir les salons de l'humain. On va aller se renseigner. Et tu sais, tu peux avoir une jambe artificielle, tu peux avoir un cœur, tu peux changer ton cerveau, voilà, c'est-à-dire les salons de l'humain, Jeux paralympiques. Alors, effectivement... C'est fantastique, cette promesse individuelle. Surtout que pour les petits médecins de base, tout ce que nous trouvons, c'est des maladies émergentes et réémergentes tout le temps. Mais bon, ça, c'est les médecins de base. Et, alors, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de changer, et ce n'est pas simplement une question de cartographie. Ce n'est pas qu'on navigue avec des cartes périmées. Effectivement, est en train de changer le territoire. La matérialité de notre monde est en train de changer. Il s'agit un tout petit peu de comprendre. Je vais donner quelques points. Je vais le faire vite parce que si, après, il me reste 2-3 minutes, je vais jouer. Alors, donc, au fait, vous savez, Descartes, Kant, là, le brillant collègue philosophe, et il considère que la nature est une machine, c'est une nature machinique, soumise à des processus mécaniques, et voilà, tout à fait désenchantée. Hein? Alors donc, il y a l'homme, le sujet humain, face à une nature désenchantée. Le problème, c'est que
Cet homme qui devait, d'après Descartes, devenir maître et possesseur de la nature, il a machiné beaucoup, il a beaucoup compris. Et alors, ça montait la compréhension. Vous voyez, d'abord, c'était autour, et ça montait, ça montait, ça montait, hop, jusqu'à ce que ça arrive au cerveau. Et là, les mecs, ils disent, je me suis machiné moi-même. Donc, si la nature est une machine désenchantée, soumise à des processus mécaniques, je vais être machine mécanique. Alors, tout se passe comme, vous savez, ces films que les plus anciens, comme moi, se rappellent de Yellow Submarine, la bande, un truc des Beatles, vous vous rappelez, dans lequel il y a un monstre qui avale tout. Non, c'est l'homme, non, il avale la nature, il avale, avale. Et le monstre avale tout, à un moment donné, il avale tout ce qu'il y a dans l'écran, il reste tout seul sur un écran vide. Non, et il regarde, regarde, il trouve sa queue, et il avale la queue, et le monde réémerge. Le problème, c'est qu'aujourd'hui pour aujourd'hui, cet homme technicus de toujours plus, c'est pas sûr que le jour où il va s'avaler lui-même, le monde va réapparaître. Alors, effectivement, on s'est dit... Mais il faut des limites, il faut des valeurs, il faut des bornes. Parce que les bornes, ce n'est pas pour les gens bornés, hein, du tout, du tout. Hein. Les bornes, c'est ce qui permet, ce sont les non-possibles qui permettent des possibles. Voyez, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai oublié mon PowerPoint, mais c'est comme ça. Je l'ai noté sur mon post-it. Alors, à vrai dire... Tout se passe comme si des processus techniques très rationnels auxquels je participe soient capturés par un irrationnel très fou. Voyez, c'est-à-dire tout d'un coup, ces désirs de non-limite, la fameuse tour de Babel, que bon, ça marche pas, Icar, etc. Tout d'un coup, maintenant, scientifiquement, on va la construire cette tour de Babel et on n'aura pas de limite. Voyez, donc des processus tout à fait rationnels sont hantés par un désir absolument irrationnel de pas de limites. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose de, alors là, pas seulement paradoxal, mais problématique. Ce ne sont que des fanatiques ou des obscurantistes ou des moralistes qui nous disent il y a des limites. Mais en général, ils sont technophobes, ils ne comprennent pas trop, ils ont peur. Alors, soit on se moque, soit les non-présidents des États-Unis, parce que vous savez que c'est possible que les présidents républicains qui va gagner peut-être les élections, lui, il est mormon. Donc, lui, il pense qu'il est martien, etc. Donc, effectivement, la réponse des valeurs, oui, même s'ils sont irrationnelles, bah, elle n'est pas satisfaisante. Mais tout se passe comme s'il y avait donc, d'un côté, une sagesse fanatique et un irrationnel technico-scientifique. Vous voyez? C'est-à-dire quand les fanatiques nous parlent de sagesse et... Mes collègues de laboratoire, ils sont alors là absolument barrés. Ici, il y a au coin, mais bon. Et alors donc, la question c'est quoi? La question c'est comment nous pouvons effectivement introduire dans notre modèle de pensée, d'agir, de recherche, des limites qui disent pas tout est possible. Parce que je vous rappelle simplement que si tout est possible, rien n'est réel. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est les seuls petits détails. C'est-à-dire, tout est possible, si tout est possible, rien n'est réel, tu vois, alors là, c'est dire rien n'est réel. Alors donc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des invariants biologiques, des invariants dans des modèles biologiques qui bornent notre travail, non pas pour dire, jusque-là, au-delà de là, tu ne peux pas aller, mais de dire, mais écoute, ces invariantes-là sont les invariantes qui fondent et qui sont conditions de l'existence de notre expérience et du biologique. Ces invariantes-là, effectivement, sont pensées comme naturelles. Mais c'est vrai que, comme Lévi-Strauss l'avait fait remarquer, pour étudier les sciences humaines comme une science exacte, il faut quand même élargir notre conception de la nature et ne plus la voir comme soumise simplement à des processus mécaniques. C'est ce que nous faisons. Certains. Il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement de comprendre cette nature complexe que, comme on dit Kant dans la critique de la faculté de juger, bah, quand même, elle a une auto-organisation. Il y a dans la nature des machins qui s'auto-organisent à partir de certains principes, à partir de certaines invariantes. Quelle est une seule, parce que sinon je sais qu'ils vont venir me virer, là, Val, il va dire, mais c'est pas un gitan, celui-là. Et alors donc, effectivement, je vais dire une invariante biologique fondamentale. La première invariante biologique fondamentale qui légèrement va contre ce qu'on peut entendre là-bas et là-bas, c'est que
le vivant fonctionne en perte permanente de 99% de son matériel. C'est-à-dire que pas seulement le vivant n'est pas toujours plus, mais le vivant, s'il ne perd pas, il crève. Alors, 99% des espèces ont disparu, 99% de notre matériel biologique disparaît, et par exemple, pour parler de Lily, bienvenue Lily au monde, non ? Alors donc, effectivement, si nous voulons faire la comparaison entre Lily, la fille de Michel, je vous rappelle, non, parce que ça fait quelques heures, et si nous voulons faire une comparaison entre Lily et la voiture de Michel, nous disons, si Michel amène sa bagnole chez le garagiste, non, et le mec lui dit, voilà votre voiture, j'ai changé les châssis, la carrosserie, le moteur, les sièges, et la seule chose qui reste, vous avez, c'est le petit chien qui fait comme ça. Alors, Michel, qui n'est pas con du tout, il dit, ce n'est pas ma voiture. Il a raison. Parce que l'unité d'un agrégat, d'un artefact, tient au maintien des parties extensives. Donc, pas perdre, il faut maintenir. En revanche, Lily. Imaginons que Michel dit, ah, oh, c'est Lily, Aloulou, youyou, youyou, Mazel Tov, youyou, parce que c'est un bel mélange. Et alors donc, Michel dit, Lily, Lily, je vais partir en voyage d'affaires. Alors il revient un mois plus tard. Au bout d'un mois, il dit, ah, oh, Lily, et le, Lily dit, papa, papa, bon, très bien. Bon, un mois, non, je ne pense pas à Michel. Et ils se reconnaissent, sauf que Lily, comme elle est, elle sera en bonne santé, Inch'Allah, comme ils disent les rabbins, eh bien, donc, comme Lily est en bonne santé, la Lily que Michel reconnaît a changé 90% de son matériel réel, vous voyez, ses molécules. Alors, qu'est-ce qu'il reconnaît? Eh bien, la identité du vivant est au prix de la perte. De la perte, ah, c'est moche ça, non, nous, on veut plus, plus, plus. Eh bien, voilà. Nous vivons grâce à la perte et l'idée irrationnelle, dangereuse, idéologique de toujours plus, elle est, comme je viens de le dire, je vous incite, dangereuse, idéologique. Alors nous sommes en train de vivre peut-être une transition de phase. Vous savez comment ça se passe, une transition de phase? Non. Une transition de phase, c'est pas comme ça. Vous avez une constante de paramètres, c'est-à-dire transition de phase, c'est quand vous faites bouillir l'eau. Voilà. C'est ce qu'on dit, quoi. Alors donc, entre 99 et 100, vous avez une constante de jauge, une constante de paramètres, c'est un point de plus. Sauf qu'il y a un changement, une révolution totale dans ce que vous êtes en train d'avoir, la matière, n'est-ce pas? Elle n'est plus liquide, c'est bon. Peut-être nous sommes en train de vivre de l'irréversible, vous comprenez? Mais le problème, c'est que nous n'avons pas la modélisation qui nous permet de comprendre de façon complexe ce qui se passe au-dessous de cette modélisation qui ne voit que des paramètres constants dans lesquels on va toujours vers les plus. Ou comme il a dit Rousseau, n'est-ce pas? Il a dit, avec les progrès, il y a un petit problème, on sait ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd. Bon, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, avec la technologie, on voit ce qu'on gagne, et cette transition de phase, qui n'est pas modélisable dans les modèles classiques de lecture codifiée, eh bien, celle-là, on risque de la louper. Et ça serait très dangereux. Pourquoi? Parce que les modèles de toujours plus et les modèles de biopouvoir, hein, la transparence, les biopouvoirs, je me balade avec ma carte génétique pour séduire l'autre parce que je n'ai pas d'autres possibilités. Et j'ai, voilà. Alors, ces panoptiques-là, effectivement, ces panoptiques-là est parce que je ne peux que modéliser que ce qui apparaît comme information codée et codifiable, mais j'ignore tous ceux qui, des côtés des formes dynamiques, de l'organique, n'est pas tout à fait modifiable. J'ignore ce qu'il y a sous l'arrondi digital, comme on dit. C'est-à-dire, aujourd'hui pour aujourd'hui, la prudence ne vient pas du fanatisme. La prudence vient du côté de qu'on ne sait pas bien modéliser des formes dynamiques et qu'on risque de piétiner ce qu'il y avait dans l'intervalle. Or, c'est quoi l'information non codé? C'est les restes. Les restes de quoi? Bien, c'est ce qui est territorialisé. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez qu'à Aquila, il y a eu un tremblement de terre il y a quelques années terrible. Pendant très longtemps, l'information berlusconienne disait il n'y aura pas de tremblement de terre. Les directeurs du journal local, donc celui qui recevait l'information codée,
Dans un film que vous avez vu peut-être, il raconte face aux caméras l'histoire suivante que je vais faire très vite. Il dit « J'ai reçu l'information d'après laquelle il n'y aurait pas un tremblement de terre grave à Aquila. Le soir, veille du tremblement de terre, ma fille et mon fils m'ont dit « Papa, on va mourir ». Et j'ai dit « Non », parce que j'avais l'information codée. Et ils parlaient depuis une information tellurique, on peut dire. Hein. Là, c'est le cas. Hein. Et ils avaient une information non codée ni codifiable. Et il finit, le mec, en disant « Ce soir-là, mes deux enfants sont morts et malheureusement, j'ai survécu ». Vous savez, c'est exactement la même histoire qu'avec les tsunamis. Les bêtes qui sont dans la capacité d'avoir de l'information non codifiée, ils sont barrés. Ceux qui n'ont que la capacité d'avoir accès à l'information codée, eh bien, sont restés. C'est ça, les dangers. Les dangers, c'est une information et une modélisation trop virtualisée qui fait que c'est toujours plus est en pure perte de substance et d'essence. Alors, le phénomène de la vie, effectivement, ne peut pas être considéré comme quelque chose que ça va de soi, que je vais toujours plus, je vais toujours plus. Alors, pour finir, moi, je pense, effectivement, qu'il faut essayer de faire très attention parce que nous devons résister, nous devons essayer d'éviter cette contamination idéologique de toujours plus et de l'absolu que du religieux est passé vers le scientisme. Du religieux est passé vers le scientisme. C'est toujours plus. Nous devons résister à ça. Nous devons essayer de faire que la culture recolonise la technique et l'économie. Parce que pour finir, tu peux dire ouf Michel, j'ai fini. Pour finir, je vais vous dire simplement une petite réflexion. C'est le dernier post-it. À niveau individuel, pas de limite, ça s'appelle la psychose. À niveau biologique, pas de limite et pas de mort, ça s'appelle le cancer. Et à niveau social, pas de limite, tout est possible, ça s'appelle la barbarie ou le néolibéralisme. Merci beaucoup.